Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt Êtes-vous sage repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec quatre grains bords. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir, et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard, il broute, il se repose, il s'amuse à tout autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter? Et que serait-ce si vous portiez une maison?